Est-ce qu'en France, on a besoin d'avoir un CAP couture? Est-ce qu'il y a un marché de l'emploi? À quoi ça mène? Et la réponse est oui. En tout cas, nous, on a des anciennes élèves qui sont complètement reconverties. Après, évidemment, je ne dis pas que, enfin, ce n'est pas forcément des métiers où on va tout de suite devenir millionnaire, hein, ce n'est pas du tout l'objectif. Je crois qu'en fait, toutes ces personnes ont en commun l'idée de retrouver du sens dans leur travail. Je ne me souviens plus qui disait « j'avais besoin de refaire un travail manuel ». Moi, je rappelle toujours que quand j'ai démarré, je n'ai pas lâché tout ce que j'avais pour commencer à donner des cours de couture. J'ai fait deux activités pendant au moins 3 ans et je pense que c'était important pour moi. De stabiliser le fait que ce vers quoi j'allais me plaisait avant de lâcher un métier qui me plaisait quand même aussi, il faut quand même le dire. Et puis l'autre chose qui n'est pas suffisamment, à mon sens, explorée aussi en France, on a toujours un peu envie de réinventer la roue en créant sa boîte. Voilà, moi je veux créer ma boîte, ouais. Mais en fait, il y a une autre démarche qui peut être intéressante, c'est moi je vais reprendre la boîte de quelqu'un. Il faut savoir qu'il y a aussi des couturières qui sont installées, qui partent à la retraite et qui seraient bien ravis de pouvoir vous transmettre leur entreprise avec leur clientèle. Or, vous allez à la Chambre des métiers et de l'artisanat, et ça peut être un très bon moyen de démarrer, mais pas de démarrer de zéro, et du coup, de pas avoir le syndrome de la page blanche. Après, c'est clair que ça va dépendre aussi où vous vous situez dans votre vie professionnelle. On a aussi des élèves qui arrivent en fin de carrière, oui, et pour qui c'est finalement un complément de revenu à la retraite. Je pense qu'il y a, voilà, il y a tellement de personnes qui ont envie d'apprendre à coudre et tellement peu de gens qui savent transmettre correctement le fait de bien coudre que vous, avec le CAP, vous avez toute votre place parce que, voilà, vous aurez toutes les armes pour transmettre des bonnes techniques et du coup, vous serez à l'aise et si vous aimez la transmission de savoir, ça ne peut que fonctionner, quoi.